bien ma formation dans le violon, dans la musique, si je peux dire d'une façon générale, s'il y a quelques personnalités qui m'ont marqué, je crois qu'en premier lieu, ce serait le quatuor Amadeus. Voilà, ça a été une rencontre absolument déterminante. Bon, j'avais travaillé en France, j'avais travaillé en Roumanie aussi, j'ai fait mes études à Bucarest. Et puis en rentrant, j'ai commencé à faire du quatuor et j'ai eu la chance, l'opportunité de rencontrer les quatre membres du quatuor Amadeus. On a travaillé, c'était avec le quatuor Isaïe, on a travaillé à Cologne avec eux, donc plusieurs années. Et je dois dire que ça a été, oui, très, très fort parce qu'ils nous ont apporté et ils m'ont apporté une sorte de générosité dans la musique, une force, un élan, un esprit. Et puis voilà, avec cette école viennoise, ça a été, voilà, c'était quand même l'école qui me fascinait le plus dans la souplesse, mais aussi voilà, avec toute l'implication musicale dans des dynamiques fortes, dans tous les sens. Style musical, tu te sens le plus à l'aise? Quand je dis style, je veux dire compositeur, type d'œuvre. Alors, bien évidemment, mes racines françaises, elles sont là, même si je n'ai pas un nom très français. Mais enfin, bon, je suis né en France et malgré tout, si on parle de Ravel, si on parle de Debussy, je me sens naturellement bien là. Là aussi, on a un rapport aussi avec la musique viennoise, justement par la souplesse. Et qui me convient aussi. Ça peut être Schubert, ça peut être Brahms, par exemple. C'est des compositeurs qui ont une sorte de naturel chez moi. Beethoven, par exemple, je dois me faire plus violence pour arriver à cette puissance qu'il a. Hein. Il faut que j'aille la chercher au fond de moi-même. Voilà. Voilà, Schubert, ça se découle plus naturellement parce que c'est une musique souvent plus intériorisée. Voilà. Brahms aussi, on a un peu voilà, ces sensations des brumes du Nord. Alors on a ce brouillard, hein, et puis on a on a de la puissance aussi chez Brahms, bien évidemment, mais aussi une souplesse viennoise. Hein, c'est... Thank you.
été donc dans plusieurs formations de chambre, bien évidemment. C'était un choix ou... C'est-à-dire, oui, là encore, naturellement, par ma personnalité, je suis plutôt un musicien de chambre, ça c'est clair. Et d'ailleurs, la majorité des concerts, je les fais en musique de chambre. Alors, de temps en temps, je fais des pièces pour violon, voilà, le Tzigane de Ravel, des pièces de Kreisler, l'introduction et Rondo Capriccioso de Saint-Saëns, hein, par exemple, et ça me fait aussi plaisir de faire du violon, voilà. Mais bon, le plus, c'est quand même, bon, j'ai fait beaucoup d'années en quatuor, je fais de la sonate, donc notamment là, ces temps-ci, je fais beaucoup les sonates de Brahms, aussi en lien avec des programmes que j'ai composés, qui s'appellent Musique et Pensée, et notamment, voilà, j'ai fait des rapports entre Nietzsche et Brahms. J'en ai fait de temps en temps, mais là, on commence à se consacrer à une formation bien établie. Et donc ça, c'est formidable. Après avoir fait beaucoup de quatuors, la formation de quatuors, qui quelque part bon, est une formation, une des plus abouties, parce qu'elle est extrêmement équilibrée, on est entre cordes, donc il y a à la fois cette austérité, et puis cette austérité qui permet un élargissement dans le répertoire extraordinaire. Donc on a parmi les plus belles pièces du répertoire. Et alors après ça, faire du trio, ben, c'est tout à fait autre chose. Ce sont justement un peu plus trois solistes. On a le piano qui est très prédominant, malgré tout, qui tient les choses. Donc là où dans le quatuor, il y avait un premier violon qui a un peu plus de poids que les autres, là dans le trio, ça va être le piano. Et donc voilà, l'aspect du timbre du piano élargit tout à fait différemment celui du quatuor. Donc ça se complète très bien pour moi, pour ma vie de musicien, tout d'un coup, faire du trio. Puis voilà, je suis très bien accompagné avec Michael Levinas au piano. Thank you.
prochains, ils sont autour de la musique de chambre. Je vais jouer un petit peu en soliste puisque je vais jouer le concerto de Gratiane Finzi, qui est un concerto qu'elle a écrit, qui a été créé au mois de janvier par David Grimal. Et je vais le jouer cet été. Donc voilà une pièce de soliste que je vais jouer là, au mois de juillet. Et puis le reste, c'est quand même beaucoup autour de la musique de chambre. Pas mal de Brahms, encore une fois. Quintette de Brahms avec piano, sextuor de Brahms. Donc ça, je retrouve un peu voililà, tout le travail que j'ai fait dans ma vie avec le quatuor, puisque c'est des répertoires de quatuor. Et puis donc beaucoup de sonates, les trois sonates de Brahms que je vais jouer plusieurs fois cet été.